escape. Tous les Blighters de Londres seront armés jusqu'aux dents. Aucun flicard en vue. Bien. On distribue la dynamite. Et prudence. On s'y colle, monsieur. Ceci doit arriver intact dans les mains des Blighters. Faites-le partir. Attrapez cet intrus. Oh, allons-y. Je vais faire signe. Je ne vois pas Monsieur Haberlé. On aura essayé. Psst. Je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu, Seigneur? Vous voulez me faire repérer? Sergent Haberlé, à votre service. J'imagine que vous êtes les Fry que Green a mentionnés. Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi, je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels, et vous, vous me les livrez. Discrètement. Non, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Quoi que vous fassiez, essayez de rester dans le cadre de la loi. Faites-le pour moi. Je ne veux pas voir arriver de cadavre au poste. Approchez aussi du pain derrière. Lui amenez-les à ma voiture. On a un intrus! Attrapez-le et faites-le sortir de l'eau! Assez, assez.
cet homme, vite! S'occupe de lui. Bravo. Mettre derrière les barreaux. Merci. Un homme a réussi. Passez-le au flanc.
Probablement l'un de ces Klinkers. Commençons par lui. Chercher l'attention de mon employeur, Monsieur Fry. Oh, j'en rêve jour et nuit. Mais d'ici là, je me contenterai de toi. Je vous aurais prévenu. Où est-ce qu'on a mis les pieds ? Ravie de vous rencontrer, enfin. Vous êtes à Babylone, Alley. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin. Clara, Monsieur Green a dit que nous pourrions nous entraider. En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Non, pourquoi pas ? Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes ? Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'œuvre. Ils font de longues journées, sans être payés, et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Vous devez les sauver. Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations, ce dont vous avez clairement besoin. Hé, hey, juste une minute. Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché ? On accepte. Ravi de faire affaire avec vous. Pas d'inquiétude, les enfants. Vous êtes bien pour une adulte, vous savez. Qu'est-ce que vous faites ici, madame ? Elle est pas là.
She's having a little rest. Cessez de palabrer et mettez-vous au boulot. Le prochain que j'entends passera la nuit enchaînée à la clôture. Je vais revenir. Ah, vous voilà. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Kellogg a exigé que vous régliez votre différend par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez, je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, eh bien, Grigny, c'est le Noël des assassins ? Appelez vos alliés. Rexford Kellogg a accepté vos conditions et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur ce combat. Où es-tu, Kellogg? Ceci te fera peut-être sortir de ton trou. Rooks! Aux armes! Te voilà. Nous sommes dedans.
a l'air d'être cassé. Oh, au moins on a un train. Ne nous plaignons pas. Kellogg est mort. Whitechapel n'est plus aux mains des Blighters. C'est le moment de venir grossir nos rangs. Tous ceux qui s'opposent à Starik et à ses sbires seront les bienvenus. Bienvenue chez les Rooks. Ah, la crapule! Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour ce fumier. Kellogg? Il a quitté la gare. Eh ben, qu'il est mignon, celui-là! Vous êtes qui? Je suis Evie Fry, mon frère, Jacob Fry. Enchanté. Moi, c'est Agnès McBean. Un plaisir. Moi qui croyais que j'allais monter en grade. Bon ben, me v'là sans travail. Venez travailler pour nous. Je vous vois venir, tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes. Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah, dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha, la dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. Un repère sur rail. En voilà une excellente idée. Oui, ce sera très pratique pour nous. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Tu ne me déçois jamais, Grigny. Avec un peu d'argent, on peut réaliser de grandes choses dans cette ville. Vous en feriez du bien si vous aviez les poches pleines. Vous voulez remettre Londres à l'endroit? En voilà l'occasion. Cette carte indique qui aller voir. De vieux amis, en quelque sorte. Donnez-leur un peu de cet argent et ça nous évitera peut-être de nous retrouver au cimetière sans avoir le temps de dire ouf. Monsieur Green voulait vous faire rencontrer ?